Salut tout le monde, aujourd'hui donc présentation du petit dernier qui est arrivé. Donc c'est un Brongers May qui est né en octobre. Alors le Brongers May il fait partie du complexe, enfin faisait partie du complexe des Pitons Curtius et Brentesteini. Enfin c'était trois sous-espèces. Et il a été élevé au rang d'espèce en 2000, ainsi que le Curtius et le Brentesteini. Donc c'est une espèce à part entière. Alors c'est un serpent qui de base est originaire d'Asie. C'est un animal qui, âge adulte, peut avoisiner les 160-180 cm. Et petit, ils ont la réputation d'avoir un caractère assez irascible. Alors pour le caractère, oui. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était pas de l'agressivité du tout, contrairement à ce qui peut être lu à plusieurs endroits sur internet ou sur d'autres sites. C'est juste que c'est des serpents qui sont ultra timides. Franchement, enfin moi le mien, je le vois pas sortir énormément de ses cachettes. Après la nuit, ouais, il va aller boire, il va se balader, mais la journée, je le vois absolument pas sortir de ses cachettes. Autre particularité du Brongers May, je pense que pour les Curtius et les Brentesteini, c'est pareil. C'est des serpents qui défèquent pas souvent. Là, le mien, ça fait 3 semaines que je l'ai, donc il a 3 repas à son actif. Enfin, on est sur le 3e repas. Il m'a pas fait un seul de caca. Donc, c'est des serpents qui ont une digestion qui est assez longue. Donc, toujours vérifier qu'il n'y ait pas d'occlusion, qu'il n'y ait pas de corps qui bouche au niveau des intestins ou du cloaque. Donc, moi, je vais vérifier avant de lui donner à manger. Hein. Mais visiblement, c'est quelque chose de normal, faut pas s'en inquiéter. Après, espèce pour débutants ou non, honnêtement, ça dépend. Si vous êtes prêt à avoir un serpent qui a du caractère ou pas, et si vous êtes prêt à accepter la morsure de défense. Moi, pour le moment, bon, bah, le mien, il a striké, mais sans jamais me mordre. Et je manipule avec des gants. Mais c'est un serpent qui, pour le moment, comparé à d'autres, me donne moins de soucis au niveau maintenance. Déjà au niveau température. Point chaud, je suis à 28-29 la journée, 24-25 la nuit, et encore je trouve que ça fait un peu chaud, je baisse un petit peu, et point froid, je maintiens donc la journée entre 24 et 26, et la nuit je tombe à 20-22. Mais niveau nourrissage, il m'a pas refusé un seul repas, donc on va voir aujourd'hui s'il refuse. Hein. Et après, niveau caractère, ouais, c'est des serpents qui sont très timides, qui stressent, mais beaucoup moins que du Régus, pour donner un comparatif. J'en ai un de Régus et lui ça fait 5 mois qu'il refuse de manger. Pourtant le terrarium est bon, les températures sont bonnes, tout ça, enfin la santé est bonne, mais ça fait 5 mois qu'il refuse. Donc on va essayer de le nourrir. On va voir ce que ça donne. Et c'est des serpents qui sont d'un air passible comme ça, mais assez vif. Une fois qu'ils ont leur proie en tête, c'est impressionnant. Hop là! J'ai du mal à m'y faire. C'est très très vif. Pour ce qui est du nourrissage, pour le moment, vu que c'est un juvénile, il a la souris de 16 grammes tous les 10 jours à peu près pour pas surcharger. Tous les 10 à 15 jours. Au niveau du physique, bon à savoir, le Brongers May, comme le Curtius, comme le Brentesteini, c'est des serpents qui doivent pas ressembler à des boudins. C'est des serpents qui doivent quand même avoir une forme physique et un bon tonus musculaire. Alors pour savoir si votre serpent a une bonne forme physique, c'est très simple. Vous voyez l'arête dorsale qu'il y a là? Il faut qu'elle soit légèrement triangulaire quand vous regardez le serpent. Enfin, la forme du corps, il faut qu'elle soit légèrement triangulaire et pas complètement arrondie. Parce que sinon, ce serait signe d'obésité et c'est pas bon du tout pour ces animaux. L'obésité va réduire leur espérance de vie, va créer des problèmes aussi au niveau de la digestion. Pareil, les températures, donc bien respecter les températures parce que ça peut leur provoquer des problèmes au niveau de la digestion. Pour ce qui est de la mue, il m'en a pas encore fait, donc à voir comment va se passer la première mue. Moi, je le maintiens entre 60 et 70% d'hygrométrie. Donc le terrarium, je vais vous le montrer, c'est très simple. Mais il y a deux méthodes, il y a deux écoles, donc la méthode un peu plus sèche,
qui permet d'éviter les problèmes de pneumopathie qui sont récurrentes chez cette espèce, et la méthode humide. Donc pour le moment, vu qu'il présente aucun problème, je le maintiens dans une hygrométrie un peu plus élevée que celle de ma pièce, mais pas non plus en vaporisant tous les jours. Et puis voilà. Donc je trouve que c'est une espèce fascinante qui mérite d'être connue. C'est, comme je vous dis, c'est très timide, ça se montre pas très souvent. Désolé, je suis un peu malade. Ça se montre pas très souvent, mais c'est une espèce qui est vraiment fascinante. Moi, dans son comportement, ça me fait penser un peu à certains vipéridés qui peuvent paraître très 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 placides, mais qui ont une détente et une attaque de malade. On les verrait pas venir, c'est impressionnant. Donc voilà le terrarium du petit Brongers May. Alors de ce côté-là, on a le point chaud. Donc là, on a 27,8, ça aussi entre 27,8 et 29,1, avec une cachette. Et là, on a le point froid, donc avec une autre cachette et une gamelle d'eau où il peut se baigner. Donc moi, je maintiens le substrat légèrement humide. C'est de la fibre de coco. Après, il faut pas trop humidifier. Je vaporise une à deux fois par semaine peut-être. Parce que c'est des serpents qui sont régulièrement atteints de pneumopathie sévère. Donc de problèmes respiratoires s'il y a trop d'humidité. Donc voilà, ça c'est le terrarium du petit Brongers May. Et à chaque fois que je vous présenterai une de nos espèces, je vous présenterai le terrarium qui va avec. Donc le Brongers May, comme tous les pythons de la planète, c'est un serpent qui est constricteur, c'est un serpent qui va tuer ses proies, et non pas par suffocation. On a découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'en fait la constriction consistait à réduire l'afflux sanguin. En fait, le serpent sent les battements du cœur de sa victime, et à chaque battement, il va resserrer son étreinte pour arrêter l'afflux sanguin, ce qui va avoir pour effet de provoquer un arrêt cardiaque ou un arrêt cérébral. Une fois que la victime est morte, ben, il la bouffe. Alors visiblement, c'est les serpents qui, adultes, se calment, se détendent. Moi, je suis en train de le voir avec le mien, il se détend quand même vachement au niveau de la manip. Quand il est arrivé, les manipulations, même avec les gants, c'était sympa. Là, il commence à se calmer, à se détendre un peu, donc voilà. Donc je vais le laisser manger tranquille. Voilà, je finis la vidéo sur un petit timelapse du petit qui finit sa proie. Donc pour résumer, le Brongers May, un serpent que je recommande pas forcément aux débutants, mais si vous avez envie de vous lancer, qui reste abordable. Un serpent qui a des conditions de maintien, bah, comme tous les ophidiens, qui sont particulières, qui lui sont propres, mais qui, à partir du moment où elles sont respectées, pose pas de problème majeur. Enfin, en tout cas, moi, pour le moment, j'ai aucun problème majeur avec lui, sauf si ce n'est le caractère qui peut en faire reculer plus d'un. J'espère que ce petit format vidéo vous aura plu, qui vous aura permis d'en apprendre peut-être un peu plus, ou juste de voir une espèce que vous appréciez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour tous ceux qui sont en confinement, bon courage. Et puis, je vous prépare une autre vidéo pour la suite. À plus.